forever. Let's do King Julian style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 46e épisode sur Cyberpunk en compagnie de V, de Johnny Silverhand et de notre cher Joshua. Joshua que nous avions rencontré après avoir testé le Basilic en compagnie de Panam et en nous rendant eh bien, ensuite à notre petit rendez-vous pour notre dîner familial chez Rivers et sa sœur Joss. Eh bien, nous avons eu un coup de téléphone qui nous a demandé de venir voir Joshua pour lui remonter le moral. On a essayé de le dissuader de se faire crucifier, mais celui-ci a quand même décidé de le faire. Et après une petite prière en sa compagnie, il nous a demandé de prendre le marteau et de le clouer. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à aller jusqu'au bout. Et nous nous sommes arrêtés là. Et nous allons donc nous apprêter à partir pour rejoindre Rivers chez sa sœur et profiter d'un dîner familial en espérant que celui-ci nous change un petit peu les idées. Mais je vous laisse découvrir tout cela. Bon visionnage. Et l'autre, il prie à côté Silverhand. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Ok. C'était bien glauque. Voilà, Rachel. C'était sûrement mon tournage le plus difficile, mais j'y suis arrivée. Et maintenant ? Je rentre chez moi. Je vais dormir 2 journées entières. Je vous recontacte vite pour votre compensation. Alors, il faut pas attendre que le monde voit cette déesse. Vous devriez pas sortir cette déesse. Le monde devrait pas la voir. Sauf que ça dépend ni de vous, ni de moi. Je vous appellerai. Ok, c'est bon, il est mort alors, c'est la fin. Ok, elle est jeune. Bah écoutez, c'est reparti. Non, je veux pas aller au bazar de Chinatown. Là, j'ai rendez-vous pour aller manger. Ok, j'ai un petit message de la demoiselle. Seattle cherche à vous joindre. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi Seattle? Ça c'est fait. Alors je peux pas reprendre ma voiture parce qu'elle est dans un sale état ou parce qu'elle est buggée, j'en sais rien. Putain, vous êtes sérieux ou quoi? La voiture elle venait de s'arrêter, se foutre de moi quoi. Faut que je m'en retrouve une. Ou que j'en appelle une. Ah, l'Apollo de Scorpion, ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, effectivement j'avais bien une moto. Qui vient toute seule, c'est un supercopter. Non, tonnerre mécanique. Allez, c'est parti. Ok, les murs, on est à 70 mètres de notre destination. Oh, je crois que c'était ici, quoi. Attends, je peux plus démarrer. C'est ça, faut que je m'arrête là aussi. Attendre que River... à côté des barils... Putain, j'avance pas du tout. Faut vraiment que je vende des armes. Ah, puis on va attendre sagement, hein. On va se lever un peu plus tard, c'est le lendemain matin quoi. Je suis invité pour le petit déj ou le midi. Ah, il y a Silverhand qui a posé son couvert. Salut ma petite dame. Salut, comment ça va? Par ici. Ok. Tu viens pas? Bah, je suis pas fan de pique-nique. Mais éclate-toi bien. Et puis, je crois que je vais me concentrer sur ma nouvelle chanson. Mmh.
Ok. Content que tu sois là. Tu vas m'aider à cuisiner. Y a quoi au menu? Un jambalaya. Vas-y, tu peux touiller la viande. La viande de soja. Ok. Tu préfères pas que Joss t'aide? C'est peut-être mieux que ce soit Joss qui t'aide. Joss a fait sa part du boulot. Allez, chope une cuillère et touille. À fond de tes cuillères. Touiller. C'est la recette secrète de la famille Ward. Hein? De l'oignon, du paprika, du thym. Faut encore que je coupe du céleri et de l'ail. Toi, tu touilles sans t'arrêter. Ok? Tu touilles. Ah, je croyais que tu rigolais pas quand tu parlais de cuisiner ensemble. Comment va Randy? Comment il va? Il se remet tout doucement. Mais physiquement, ce sera long avant qu'il s'en remette complètement. Et mentalement, il a vécu un truc horrible. Je sais que c'est dingue, mais ce qu'Aris lui a fait, ça va peut-être l'aider au final. Je me trompe peut-être, mais c'est comme s'il repartait à zéro. T'es sérieux? Je pensais que tu rigolais quand t'as parlé de cuisiner. Que ce serait Joss qui serait au fourneau pendant que... Quoi? Joss, elle y connaît absolument rien en cuisine. En fait, j'adore faire la tambouille. Et j'ai pas eu trop l'occasion ces derniers temps. Tu touilles toujours? J'aurais pas gâché cette journée, mais... Je touille. T'as fait quoi de Peter Pan? Tu peux savoir si je l'ai buté. On en parle plus tard, ok? Ok, pas de soucis. C'est juste que... Tu sais... Je sais. Allez, touille, là. Je peux plus touiller. Ok. T'as assez touillé, je crois. Tu peux aller me chercher le riz dans la cuisine? Oui, chef. Viens, on cherchait du riz. Non, Randy a toujours été comme ça. Mais ça a pas dû aider. Tu sais, son père était compliqué, lui aussi. C'est ce que je leur ai dit. Mais c'est toujours la même rengaine. Tout le monde s'en tape des gamins qui rentrent pas dans le moule. Mot pour mot, ouais. J'avais envie de m'arracher les cheveux en les écoutant parler. Et quand est-ce que je pourrais revenir? Super, parce que je veux lui apporter un truc. Il adore la musique, alors... De quoi? Non, je m'en souviendrai. Dis-moi ce que c'est. Ah ouais, je me suis habillée au passage. Merci beaucoup. Heureusement que t'es là pour m'aider. Oui, oui, on se rappelle vite. Je te remercie d'être venu. T'as l'air en forme. T'as l'air en forme, Joss. Ah oui, tu trouves? Merci. Merci de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie. Comment va Randy? Il est toujours à l'hôpital, en état de choc. Mais il se remet petit à petit. J'ai pas eu l'occasion de te remercier pour ce que t'as fait. L'important, c'est que ce soit terminé. L'important, c'est que ce soit derrière nous. Je sais vraiment pas comment te remercier. Tu sais, si... Si Randy est... Joss, tu me dois rien, je t'assure. Merci. River est dehors dans le jardin. Il avait hâte de te revoir, tu sais. Ouais, passe-moi dedans, je te dirai rien. Du basmati, super. Y'a rien à prendre, manqué, on va lui amener son riz, là. Ensuite, les tomates.
Vas-y, tu peux verser le riz. Riz versé, chef. Maintenant, faut beaucoup. Laisser mijoter. Reverse, chef. On va dans la cour. Ouais, on va dans ta cour. Prends une chaise et une bière ou ce que tu veux. C'est sympa ici. Ouais, on a l'impression que... qu'il s'est jamais rien passé de mal. Alors vas-y, parle-moi d'Aris. Je suis allé le voir à l'hôpital. Tiens, j'ai pas retombé dans les choux comme la dernière fois. Il est toujours dans le coma. Il est toujours dans le coma. Ouais. Dans un genre de sommeil entre la vie et la mort. Une coquille vide sur un lit d'hôpital. Une balle dans la tête, et ça aurait été réglé. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est tellement facile. J'ai mis le flingue sur sa tête et... je me suis souvenu d'un truc. River. De la mort de mes parents. Tu veux... tu veux vraiment que je t'en parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père avait une ferme, comme celui d'Aris. Quand ça a été plus rentable... mes parents ont réussi à ouvrir une petite épicerie. On vivait juste au-dessus. Une nuit, on s'est fait réveiller par un bruit. Ils voulaient du cash. La caisse était vide, alors ils sont montés à l'étage. Ils nous ont tous mis à genoux. Et ils ont demandé à mon père où était le fric. River, tu peux t'arrêter là. T'aimes pas les histoires tristes? C'est pas ça. Je vois bien que c'est dur pour toi, alors... pas besoin de ressasser ça, maintenant. Ok, ouais. T'as sûrement raison. Mais... pour Aris... t'as fait quoi? T'as mis ton flingue sur sa tête et... j'ai buté pas mal de gens dans la police. Mais... jamais comme ça, via une exécution. Je me suis tiré de l'hôpital, en me disant que l'affaire était résolue. Ok. Mais tu vas faire quoi? Tu vas pas retourner dans la police? Il va être à son compte. Pour y faire, détective ouais. Privé. Ouais, voilà. On verra. On verra bien. T'as dit que tu jouerais avec nous. T'as promis. D'accord, d'accord. J'arrive. V, tu veux venir? Ouais. Alors, on voit quoi, tonton Ward? Tu verras. J'aurais pu boire un petit coup de bière avant. Dorian! Panique à Haywood. Prends ton équipement. Ouais, prendre l'équipement. Trouble in... ok. Ah ouais, je suis du NCPD. Alors, t'en dis quoi? Ça a l'air sympa. Ça devrait être amusant. Hey, elle est pas mal, cette arme. Essaie de rester concentré. Cette vermine doit pas nous échapper. Qui? Oh, quelle allure. V, je te présente le capitaine Joanne McLean et le lieutenant Henry Callahan. Ce sont les meilleurs éléments de notre commissariat. Recherche à Night City. Je travaille toujours tout seul. Je pourrais le tuer, ouais. Même pour toi. Ouais. Ah, je dois savoir quoi sur ce jeu? Vous m'expliquez vite fait, y'a quoi à savoir? Toute la ville est gangrénée par le crime et la corruption. L'anarchie règne dans les rues. Nous non plus, on n'est pas des saints. La police aussi est hantée par les péchés du passé. Mais cette ville n'a plus d'espoir. Personne d'autre n'oserait affronter El Jamuco. Oh, c'est le pire. Mais je sais qu'on peut le battre. Non, je peux pas lui tirer dessus alors qu'il est recherché. Allez, commençons. Ouais, bon, j'ai pas les points parti. Pour être zen là, donc... D'accord. Maintenant, on doit juste localiser El Chamuco en Diablado et éliminer ses sbires en chemin. Il va payer pour ses crimes.
On joue en deux équipes, les enfants et nous. Mais on a le même objectif. L'équipe qui fait le meilleur score gagne. Vous avez aucune chance. Libé, vas-y mollo, ok? C'est leur jeu préféré. Dak. Ouais, j'ai un pistolet en plastique. Et j'avance pas vite. Laissez les enfants gagner en tuant moins d'ennemis. Rejoins la position de départ pour faire une autre manche, ok. Bon bah déjà j'avance pas vite donc sûr qu'ils vont gagner. Cette ville m'appartient. Vous me la prendrez jamais. Mais je peux pas tirer. Pourquoi je peux pas tirer les jeunes? Éliminer toutes les cibles. Non, je peux pas tirer, c'est quoi votre délire? Faut que je recharge ou quoi? C'est sûr que comme ça ils vont gagner hein. Ok, les Jones, la partie c'est terminé, le repas il est prêt. Heureusement qu'on s'est pas tapé toutes les cibles. Ouais, merci. On va aller manger du jambalaya. Ouais, je sais pas où est-ce que je m'assois moi. C'est le plat que je vise et ils mettent Dorian. Attends, faut que j'aille lui parler, vous êtes sérieux quoi? J'ai rien fait, ils m'ont battu à la loyale. Dorian, c'est chouette à des mômes. Quoi? Oh non, ils m'ont battu à plate couture. Allez, tout le monde à table. Ok, je suis revenu juste pour ça, merci. Alors, cette partie, c'était bien? Génial! On les a écrasés! Les méchants? Hein? Ah, ouais! Les méchants aussi! Ouais, fais goûter ta saucisse de soja, là. Ça sent bon, mais j'attends de voir le goût. Ça te réussit bien, le chômage. T'as l'air en forme? River découvre les joies de la vie de famille. Famille et police, ok, c'est pour un petit disait ça, Josh. Je rattrape un peu le temps perdu, on va dire. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu aussi serein. Et toi, V, t'as une famille ou quelqu'un de spécial à qui tu tiens? Manger. Manger. Nomade, j'étais nomade avant, j'avais une famille, mais elle a éclaté, j'aimerais en avoir un jour, ok. J'étais nomade avant, mais ma famille a éclaté. Enfin, c'est vieux tout ça. Mes gamins, c'est ce qui compte le plus pour moi. J'ai fait des erreurs, j'ai dérapé dans la vie parfois, mais mes gamins, il n'y a que ça qui compte. D'ailleurs, dommage que Randy soit pas là. Il sera bientôt là. Randy adore le jambalaya. Tu me vois, Joss, père? Tu crois que je ferais un bon père? Regarde-moi, j'ai pas une tronche de mère parfaite, tu sais. Alors... Oui! Qui dit oui? Moi! Il a levé la main aussi! V, ah, tu vois quelqu'un en ce moment? Raconte. Ouais, parce qu'a priori... Bon, ça suffit. On a 11,99, officier en difficulté. T'en fais pas, je vais te sortir de là. Ouais, moi je suis avec Paname les jeunes. Hein. Putain, faut que je suive River. Faut pas lui dire merci pour le repas, non? Ok.
Bon, j'espère qu'il se fait pas désirer, River. Ouais, merci. Oh, la situation commençait à dégénérer. C'est à ça que sert un équipier. T'étais vraiment à deux doigts de taper tous les albums photos, là. Ça t'évite de devoir faire la vaisselle. Allez, à vous. Pas faux. Ce qui fait deux raisons de se barrer. On y est. Ok, qu'est-ce que c'est? Un château d'eau. C'est super ici. Super pourquoi? Pour boire un coup et bavarder. Par ici. Oh, ah, merde. Fais un double saut. La grille est encore coincée. Faudra la réparer un jour. Je vais t'aider. Tu passes par-dessus et tourne de l'autre côté, ok? Pas besoin. Oh, ok. Je vois, sacrée détente. Suffit de pousser. Ça a l'air plus facile à ouvrir de ce côté-là. Ok. Allez, on y va. C'est pas mal ici. C'est pas époustouflant, mais... Ça en jette un peu quand même, non? C'est pas Corpo Plaza, c'est sûr. Non. Mais on vit bien ici. Il y a pire comme endroit pour élever des gosses. Et les problèmes de délinquance de René? C'est pas sorti nulle part. Ouais. Mais il tient ça de son père. Il aurait fait des conneries dans un quartier plus tranquille aussi. Je peux même pas regarder en bas les jeunes. Wow, Night City. Ça en jette. Il paraît que c'est la pire ville entre l'Atlantique et le Pacifique. Mais j'adore cette vue. Je trouve ça apaisant. Ouais. Nomade. Je me sens bien ici. Le gratte-ciel, il y a un machin. Cet endroit me plaît bien aussi. Le gratte-ciel gâche la vue. Ouais, je me sens bien dans cet endroit. De l'extérieur, on voit l'intérieur. Loin de tout ce chaos urbain. Ça me rappelle un peu chez moi. J'ai quelque chose pour toi. Oula. Ton flingue ? Ton flingue? Je l'ai depuis longtemps. Trop longtemps. Il est temps qu'il change de main. Je sais pas quoi dire. Promets-moi juste de pas t'exploser les orteils avec. Pourquoi les orteils? Le mari de Joss s'est fait ça. Il était bourré. Juste là où t'es. Ah, je vois. C'est pour ça que t'aimes bien venir ici, alors. On peut dire ça comme ça. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Tu veux un verre? T'as de la limonade ou un truc du genre? Ouais, je suis pas contre. Je suis pas contre un petit remontant. Ah, là tu me fais plaisir. À Josh aux enfants, à Night City, oula! À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. Et il t'en reste encore? Faudrait pas que je tombe et que je fasse deux un malaise ici. Deux bouteilles de whisky et une caisse de bière, ça devrait le faire. Pas sûr, on verra. Alors accroche-toi à ton foie. La nuit va être longue et la matinée encore plus. Ok les jeunes. Bah écoutez, de toute façon c'est là qu'on va se laisser hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures en compagnie de V, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela, ainsi de ce qui arrivera prochainement sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. On va aller parler à River avant de se quitter. On a colonisé la Lune et on n'est pas foutu de soulager une gueule de bois. Au moins, on s'est bien amusé hier. Ouais. Mais je dois filer. J'ai promis à Joss de l'emmener voir Randy. Bon, y a rien qui presse. Prends tout ton temps pour récupérer, si tu veux.
peux conduire. Dis à Josk que je m'excuse. Dis à Josk que je m'excuse de m'être barré avec toi juste après le dîner. Et d'avoir gerbé à côté des chiottes. Oh merde. T'es sûr que tu peux conduire? J'étais dans la police. Je suis un pro de la gueule de bois au volant. Ça va le faire. Dis bonjour à Randy. J'y manquerai pas. A plus, V. Ouais, plus les jeunes. Ok. Bah écoutez, cette fois c'est la bonne. J'apprends ma petite moto. Et puis on est parti. Et on se retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures. Je sais pas encore ce qu'on fera, on verra. Excellent. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.